trauma. Il y a des artistes qui forcent l'admiration des peuples. Et le maestro Labos aussi était de ceux-là. Labos Sosé, c'est un gars avec qui, quand tu joues, tu as l'impression que tu es le meilleur de la planète. Quand tu vois là-bas, tu entends là-bas, tu penses toujours tout de suite à cette musique cubaine. Il a tellement aimé cette musique qu'il la vivait. Je me souviens qu'une nuit, là-bas, chantait dans son sommeil. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, tonton, mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mamie, je dormais. Pardon, excuse-moi. Il avait une voix sublime. Une belle voix. Franchement. Ah là là. Franchement, par rapport à l'évolution de la musique actuelle. À quoi il me fait penser Labos Sosé? À un Africain qui a amené la musique afro-cubaine, la chanson de la musique afro-cubaine, au plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Là-bas, tout était musique. Son environnement, sa façon de causer, sa façon de saluer, de plaquer avec les gens. Il ne savait pas rendre les gens malheureux autour de lui. Ça, franchement, c'était quelqu'un de bien. Comme on n'en voit plus. Hein.